Cette église que je parle est vraiment Baron Bala. Voilà. Et ici à Goma, je suis en mission. Je travaille pour une ONG qu'on appelle l'église. Je suis chargé de communication. Et aussi deux émissions, cette émission ici dans la ville de Goma pour installer une école de théologie. Parce que la Bible déclare, la Bible montre du noir sur le blanc que tous ceux qui ont marché avec Jésus sont passés par une école pour apprendre de la part du Seigneur. Quand on apprend de la part du Seigneur, on comprend sa parole et sa parole nous aide à avancer dans la grandeur. Je crois avec l'aide du Seigneur, je sais qu'avec la collaboration de l'Église ici à Goma, nous serons là en train de ceux-là qui viendront apprendre les cours de la théologie. Car la théologie veut dire la relation de Dieu. Na pamoja na umati ya kanisa hapa tutakuwa tukijifunza kuhusu masomo ya Biblia. La théologie n'est pas une étude de Dieu. Na masomo ya Biblia c'est masomo ya kujifunza Mungu. Parce que Dieu est immatériel, on ne peut pas étudier ce qu'on ne voit pas. Kwa sababu Mungu ni mtu ambaye haonekani na hawezi kuso, hawezi kujifunza mtu ambaye hautaona. Mais la théologie c'est une révélation de Dieu par l'homme. Lakini masomo ya Biblia na kufunuliwa kwa neno la Mungu kupitia Mungu. Dieu se révèle à toi pour que tu le connaisses. S'il ne se révèle pas, tu ne le connais pas. Mungu anajifunua kwako kwa ajili wewe ujue na kugundua. Alors notre thème de ce matin, c'est étudier le ciel et l'enfer. Sasa mada yetu ya asubuhi leo inasema mbingu na zimuni. La première partie de mon texte sera heureuse, ça sera très très bonne. Na kipande ya kwanza somo langu itakuwa mzuri sana. Mais la deuxième partie sera terrible. Na ya ngambo ya pili itakuwa ngumu zaidi. Je vous l'avertis déjà parce que je vous dirai les conséquences de ceux qui seront en enfer. Comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 8, verset 11 à 12, verset 11 nous dit que je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table au royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et deuxième partie du contexte, ce sera. L'autre, ce qui est sombre, mais l'ensemble effrayant, est ainsi formulé, les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et là, il y aura de pleurs et de grincements de dents. Amen. Maintenant, la première partie. Voici cette glorieuse promesse de Dieu. Ici, on parle de plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et vont s'asseoir sur une table avec Abraham, Isaac et Jacob. On dit qu'ils viendront s'asseoir. Vous comprenez que nous serons là, nous n'allons plus travailler. C'est pour nous qui travaillons chaque matin, on se lève à 6h05. On est fatigué quand on rentre le soir, on n'a même pas un sommeil. Mais ici on nous dit que nous serons assis sur une table. Oh, quel bon plaisir d'être assis. Où je n'aurai plus de douleur du travail. Nous aimons, nous n'allons plus nous lever le matin pour aller travailler. Nous serons assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ou tu ne seras pas. Je pense que vous qui existez sur la terre, et je sais que le ciel c'est un lieu où une société paisible. Et dans le ciel, ça, la Bible nous démontre que c'est une cité qui est construite par de marbre et de l'or. Marbre et l'or. Donc en fait, au ciel il n'y aura pas de bruit. Au ciel il n'y aura pas de chaleur. Au ciel il n'y aura pas de froid. Au ciel il n'y aura pas de riche ou de pauvre. Au ciel tous nous serons en même temps d'égalité. Il n'y aura pas de pasteur ni de prophète.
mbili. Au ciel, il n'y aura pas de chant. Mbingu hakutakuwa waimbaji. Mais au ciel, il n'y aura même pas des adorateurs. Hakutakuwa pia wale waabudu. Mais au ciel, il y aura de vrais adorateurs. Lakini mbingu kutakuwa waabudu halisi. Parce que les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui ont qui chantent. Kwa sababu waabudu halisi si wale ambao wanaimba. Car l'adoration à Dieu, ce n'est pas le chant. Kwa sababu naabudu kwa Mungu si wimbo. L'adoration à Dieu, c'est quand même que Dieu est le glorifié dans cette vie. Maabudu ni kujua ni nani Mungu na kumwabudu kupitia yale ambayo yeye yuko. Bienvenue dans le Seigneur. Le ciel c'est un endroit où nous serons tous heureux. Personne n'aura le droit des iPhones. On ne cherchera plus. Parce que là nous serons tous remplis de la gloire du Seigneur. La Bible nous montre que là au ciel, il n'y aura pas, il n'y aura pas le soleil ni la nuit. Mais là au ciel, il n'y aura que la gloire du Seigneur. La Bible dit plusieurs viendront. Nous viendrons de l'Occident, de l'Orient. Et si on maintenant de comprendre l'Occident et l'Orient, qu'est-ce que ça veut dire? Selon le texte que Matthieu a écrit. Parce que pour rappel, Matthieu s'agit. Matthieu, quand il écrivait, il écrivait ses frères juifs. Alors, dans le contexte où il écrivait, il devait dire quelque chose aux juifs et les juifs le comprendraient mieux. Si Matthieu était congolais, qu'il écrivait au contexte congolais, le congolais le comprendrait mieux que les brésiliens, par exemple. Parce que le langage que nous employons au Congo est différent que le français utilise par le français. Je donne l'exemple chez nous, quand on dit qu'on supporte Badami Ré. Nous comprenons qu'est-ce que c'est que ça veut dire. Mais en France, cela ne le dit absolument pas. Matthieu était un collecteur d'impôts. Impôts, vous collectez l'argent. Il travaillait à la direction générale des impôts. C'est ça, c'est ça qu'on travaille. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais il rencontre Jésus, Jésus qui dit, abandonne tout et suis-moi. C'est quelqu'un qui avait un niveau d'études élevé. Parce que tu ne peux pas travailler dans une entreprise de l'État si tu n'es pas éduqué ou tu n'as pas étudié. Alors ce frère, quand il est appris le plus au verset 8, au chapitre 8, il dit, il a tenté de nous montrer ce qui s'est passé entre les Juifs et les étrangers qu'on appelait les gentils. Chapitre 8, si vous le lisez en entier, vous comprendrez qu'on a pris dans le secteur de miracle. On parle du premier miracle que Jésus sortait de la pierre et en fait là, il a rencontré un lépreux et il est guéri. Et le deuxième miracle dans ce chapitre 8, c'est celui-ci que nous sommes en train de parler. Ce miracle ici, c'était un centenier, le chef, comme un capitaine de l'armée. Le capitaine de l'armée, c'était un Romain, il n'était pas juif. Il vient auprès de Jésus et lui dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. Est-ce que tu peux dire un mot pour que mon serviteur soit guéri? Jésus lui dit, j'irai et faire prier, il sera guéri. Il lui dit, je suis parti pour que tu entres dans ma maison. Et c'est comme ça que Jésus dira plusieurs fois
de l'Orient et de l'Occident. Parce que dans le contexte des Juifs, ceux qui devraient être sauvés exclusivement des Juifs. Maintenant, partout dans le contexte spirituel de ce verset-là, l'Occident et l'Orient veut dire c'est le rebut du diable. Le rebut du diable, le rejeté du diable. Quelqu'un qui a fait le péché intense, cet homme-là est très loin de Dieu. Il ne peut pas avoir le salut. La Bible dit qu'ils seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand Jésus parlait de ça, il voyait dans ses idées le Congolais aussi être sauvé. Il y a des gens ce matin pendant que je parle. Le rejette. Et ce matin, je te dis toi qui m'écoute sur les réseaux sociaux ou pas pour me suivre. Si tu penses que tu es le rubis du diable, si tu penses que c'est toi qui as le péché dans le monde entier, Jésus-Christ appelle ce matin, viens arriver à tes soins tel que tu es. Je suis fatigué des souffrances de ce monde.
Nous faisons ce travail avec joie
utafurahi na usiku tukutane nawe pia huko. Yesu katika maandiko yanaongea kuhusu place. Na Biblia Yesu anasema katika nyumba ya baba yangu kuna kwa mafasi. Kuna watu ambao jamani viviendo. Na kuna watu wengi ambao niliwaita ambao watakuja. Ndani ya maison possible pour toi. Utakuta nyumba ambayo imejengwa kwa ajili yako. Na kuwe tabia ya mzao wote kama hilo. Utakuwa ukisherehekea katika miaka mingi. Pendant 1000 ans d'abord. Pendant 1000 ans. Miaka mingi. Et pendant ces 1000 ans, na wakati wote, les hommes seront en train de gémir en enfer. Wengine watakuwa wakilia na maumivu katika siku. Après 1000 ans, ça sera l'éternité. Na kisha hiyo miaka itakuwa milele sasa. Dieu donne les hommes de l'éternité. Est-ce qu'on peut voir ici juste là? On va, n'est-ce pas? Laisse on n'a pas pas cap. Est-ce qu'on peut calculer la distance qui est ici? Je vous laisse ça vous. Et l'autre distance qui est là, est-ce qu'on peut calculer? Tunaweza hesabu mpaka ambao tunatoka hapa na kule ama hapa na kule. Ainsi que la durée de notre vie sur terre. Maisha yetu inafanana na kipande hii hapa. Nous connaissons les jours où nous sommes nés. Tunajua siku ambayo tumezaliwa. Dans un peu de temps jusque là. Tunakuwa na wakati mfupi mpaka hapa. Quand nous mourons. Na wakati tunakufa. Il y a l'éternité qui commence. Tunakuwa umilele ambao unaanza. L'éternité est indéfinie. Au milele hauhesabiki. L'éternité n'est pas comptée. Umilele hauhesabiki. Comme là l'éternité d'avant n'était pas comptée. Na kama hivyo hapa umilele wa mwanzo hauhesabika. Cette éternité ne sera pas comptée. Hivyo umilele wa huko hauhesabika. Là tu perds la vie de l'éternité pour ce petit temps que tu as sur la terre. Je unaweza poteza maisha ya umilele kwa ajili ya wakati mdogo ambao unao hapa. Vous savez la chanson que j'entends. Maintenant j'entends la partie la plus douloureuse. La partie la plus sombre. Wakati ambayo inakuwa ngumu sana. C'est le verset 12. Inakuwa sheria yake ya 12. Le verset 12 nous dit ceci. Inatuambia hivi. Mais les fils du royaume. Lakini wana wa ufalme. Les enfants du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors. Kwa sababu walizarau neno la Mungu. Ni mabaki wasitere Dieu comme leur vrai père.
à l'église. Pendant qu'on prêche sur la parole, nous sommes sur les réseaux sociaux. Pendant qu'on parle de Dieu, les gens se moquent de Dieu. Les gens font qu'on leur dise, bon, on parle pour l'amour. Les gens font qu'on leur dise, tu seras grand. Ça n'a rien à voir devant le Seigneur. Je venais de vous parler avant que là au ciel, on n'aura pas de titre. Il n'y aura plus de pasteur ni de prophète. Nous serons tous appelés élus de Dieu. Nous serons tous appelés enfants de Dieu. Nous n'aurons plus besoin qu'on soit appelé par le titre du pasteur. C'est pour ça que je demandais. On m'appelle vraiment Frère Joseph. C'est beaucoup mieux que ça. Jacques d'ailleurs a dit qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs parmi vous. Parce qu'ils ont un seul élément du jeu. Bien en tant que pasteur, quand je me tiens devant vous, je ne peux pas commencer à vous raconter ma vie à moi. Je ne peux pas commencer à vous raconter mon histoire. Il n'insiste pas que je viendrai voler. Il vient à vous. Vous revenez comme ça que les gens sont partis. C'est comme ça que l'enfant de Dieu viendra. Où tu descendras dans sa gloire. Il est arrivé de voir son retour au moins plus de 4 fois. Moi. Il m'est arrivé de voir son retour plus de 4 fois. Donc, les 3 premières fois, je ne voyais monter. La dernière fois, il n'y avait personne qui montait. J'ai cette vision écrite, la date et l'heure, c'est écrit là, dans ma tablette. Et le ciel est vrai. Le ciel est réel. Quand je vis ce jour-là le ciel, je n'ai pas votre vie sur la terre. Je n'ai pas votre vie sur la terre. Que de l'adorer et de le glorifier. Que je montre que je ne marche pas dessus de la terre. Dès que je marche en voiture, je ne pas dessus de la terre. La femme pose la question, pasteur, est-ce que là dans le ciel, je serai, pardon, est-ce que là dans le ciel, je serai côte à côte avec ma travail, ma belle ici qui est un peu. Après soi, les moutoukages, il y a quoi, là? J'ai un coup
Et le pasteur lui répond. Ne te dérange pas, ma sœur, parce que tu n'iras pas au ciel. Avec cette maudite orgueil que tu as, tu n'iras pas au ciel. Pendant que tu es orgueil, tu n'es plus celui qui travaille chez toi parce que c'est un travailleur. Tu oublies l'histoire de l'homme riche et Lazare. Il méprisait ce gars parce qu'il était pauvre. Mais Jésus est en train de nous raconter cette histoire pour comprendre comment ça se passera au ciel. Cette histoire ne s'est pas passée réellement. La Bible nous parle d'un parabole. Jésus est en train de nous parler d'un parabole. Le parabole, c'est une histoire que l'auteur invente sur place. C'est pas une histoire qui s'est réellement passée. Mais ici, Jésus est en train de nous faire voir comment nous comportons ici sur terre. Et cela nous aide à comprendre comment nous devons nous comporter. Les enfants du royaume. Les enfants du royaume sont des enfants dont leurs parents sont chrétiens. Pendant que les parents sont chrétiens, ils les amènent à l'église. Mais les enfants disent, oh, papa, laisse-moi mener ma vie. Connais-tu le nombre des jours qui t'attendent devant toi? Connais-tu encore le nombre des années qui te restent? Tu es jeune, laisse-moi faire encore ma vie. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va sonner. Oh, enfant du royaume. C'est jour-là tu verras ton père en train de monter. Pendant que tu chercheras pas le sacrifice. L'ange te frappera, tu seras. Et ton père ira. Tu vas être diffusé. Moi, je dis que mes enfants que Dieu regarde et grandissent. Je leur montre le chemin de Dieu. Et si mes enfants sont rebelles à la parole de Dieu, je ne suis pas responsable de leur condamnation. 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 Là où nous allons nous reconnaître. Et son mari lui dit, mais on a passé tout le temps avec toi. Je serais stupide si je ne te reconnais pas au ciel. Moi, je serais heureux de voir les Aïe. Oh, je serais heureux de voir les Aïe. Vous savez, ce prophète a beaucoup parlé de Christ que d'autres prophètes. Il a même fait comprendre la profondeur qu'il avait de Jésus. Tout l'Ancien Testament, ce n'était qu'un antitype. C'était le type de l'antitype qui devait se manifester dans le Nouveau Testament. Tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient du prophète Isaïe. La Bible nous dit que lui était l'antitype de ce que le prophète disait. Et il était la réalité de ce qui se manifestait. Enfant du royaume sont ceux qui se présentent devant vous comme je suis là. Il parle de Dieu, mais en réalité, il ne parle pas de Dieu. Bénis dans le Seigneur. Vous savez ce que j'entends lui dire, c'est choquant et c'est effrayant.
pas demain. Je venais de vous dire que cette prédication peut être la dernière pour vous. Cette prédication peut être la dernière pour vous. Je peux mourir maintenant ou demain. Et si je me présente devant le Seigneur, que je pêche mal. Alors qu'est-ce que signifie le ténèbre du dehors? Dans le langage spirituel, le ténèbre du dehors, bien le ténèbre signifie c'est l'enfer où ça sera éternellement. Et ceux qui seront jetés là dans le ténèbre du dehors, ils iront pour toujours. Bien que la Bible dit, je sais ce que la Bible dit, ils seront jetés. La Bible ne dit pas qu'ils iront par eux-mêmes. Mais pendant qu'ils seront jetés, ils descendront pour toujours. Nous regardons de l'autre côté et puis souffrance pour toujours. Il jette le feu s'il va en église pour toujours. Le gars de l'autre église pour toujours. Si je dis que la fête sera détruite un jour, ça sera une fête. Tous ceux qui seront, parce que ça sera détruit, les qui seront sauvés. Mais bien que la fête sera pour toujours. Mais il n'est pas sûr que tu ne sois pas né. Tant que tu es né, sache-le. Tu vivras pour toujours. Est-ce que tu m'as compris? Tu vivras pour toujours. Soit en enfer, soit au ciel. Tu vivras pour toujours. La terre te choisit là où tu iras. Tu vivras pour toujours. Tu vivras pour toujours. Parce que la Bible dit que le mort sera en ressuscité. Et tout le monde a été dans le Christ. Tous ceux qui sont sauvés. Depuis
Arrivé le 15 décembre 2021, pour finir le 15 décembre 2021, j'étais toujours ici à Thomas pour m'apprendre que l'une des chants qui chantent avec mon frère de Seigneur. Une jeune fille qui venait de défendre son titre de grâce là. Deux jours après, elle est décédée. Si elle n'était pas préparée, pensez que elle se disait la cour du temps, non? Elle avait 22 ans. Elle passait la cour du temps, elle passait mariée. Bien aimé, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait envie de prendre le temps, je vois que j'ai envie de jouer comme si c'était le maître de leur vie. Ne pensez pas que vous avez un long temps devant vous. Tu sais, qui c'est ce qui va arriver aujourd'hui à 7h? Je me rappelle au mois de mars 2020. On avait des programmes que nous avions planifiés. Tu ne connais pas ma mort, tu n'y as pas. Mais arrivé au mois de mars, on nous dit confinement, pas d'avion. Tu ne fais pas moi sur la tête ou à quel moment tu n'as funga. On nous dit qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas de soco. Il n'y a pas de maçon. N'est-ce pas? On a vécu ça. Tu l'as ici. Et tous ont commencé à porter de cachet. Qui connaît la vie? Même Dieu connaît la vie. Yeah. Même Dieu connaît notre demain. Christ n'est pas un moyen pour
kuingia au ciel. Non. Hayakuwa njia kwa kuingia mbingu. Christ ndiye mtumishi wa kwanza. Anakuwa lengo letu. Yeye ndiye point final. Anakuwa nukta ya mwisho. Kwani yeye ndiye point final. Kisha anakuwa nukta ya mwisho. Lakini sisi si majeshi ya Mungu. Nikusema kama mimi nakuwa katika ndoa ndio kujenga. Mimi si ya Mungu. Mimi siko katika ndoa na wewe mwenyewe. Mimi si ya Mungu. Ndoa na pesa au hapana ndio kujenga. Mimi si ya Mungu. Nikakosa pesa niko mwenyewe. Mimi sitahangaika na maisha mpendwa. Sitahangaikia maisha ya sasa. Kristo anasema katika Mathayo 6. Wakati unasoma shairi za mwisho za Mathayo 6. Anasema usihangaikie kitu. Wale ambao wanakuwa kwa marafiki yangu kwenye mtandao nishakuwa mada ambayo nimefundisha siku moja. Alinileta katika lugha ya Lingala. Nipa mama ya ufiri. Nipa mama ya ufiri. Nipa mama ya ufiri. Savez ceci. Mon cati, vous savez, moi, par exemple, c'est la pâte d'argent. Hein, la pâte d'argent, voilà. À Kinshasa, il y a des écoles le matin, quand une maman vient vendre ce pain, ils vous vendent le pain et les boutons. Et le toba est gratuit. Ils font ça gratuitement. Gratuit. Alors, vous avez besoin seulement d'acheter le pain. Vous savez que le toba est gratuit. Na kwa sababu unajua ile kalanga isakosa kusoma Kristo. Sio kisi tuko katika Kristo. Premièrement chercher le royaume de Dieu. Ya kwanza tutafute ufalme wa Mungu. Tout le reste sera donné. Na ingine yote tutapewa kwa bure. Le mariage de la femme. Ndio itakuja kwa bure. Est-ce que le mariage se marie à son chrétien? Je wa pagana ambao wanafunga ndoa wanakuwa kesho kesho ya pesa. Je bidi hata anakuwa tajiri ndio Kristo kiende kwa sababu tunamjua. Yes, parce que c'est pas de Dieu. Amen. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. Après, c'est Dieu. Ni Mungu. Est-ce que le soleil qui brille aujourd'hui là? Je joue en bas une avant. Il n'a pas tué avec Christ. Est-ce que c'est pour le chrétien? Je n'a pas tué avec Christ. La pluie de ce matin. Est-ce que c'était pour le pagan? Pour la soupe à l'époque tu as pagan. La Bible dit Dieu fait briller son soleil. Écoutez-le. Son soleil. Bible n'a pas un mot mana. Dieu bien son soleil pour les méchants et les bons. Dieu donne au sol des enfants. Mungu anawapatia watu wa kichaa watoto. Il est dans le monde. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il brille? Je crois est-ce qu'il brille? Il passe des enfants. Lakini kwa nini wanawatoto? Unakuwa maskini kwa utukufu wake. Pia unakuwa tajiri kwa utukufu. Furahia yale ambayo Mungu amekufanya. Furahia yale ambayo upo. Usitarajie maisha mengine. Mungu anatupatia chakula kila mara bila sisi kujua. Kitu hili sio sisi. Na Biblia inasema sopa. Biblia inasema hawakuni. Lakini wanakula kila leo. Chaque matin, réveillez-vous, mettez-vous tout le long de la rue. Regardez comment les gens montent et descendent. Ils vont aller chercher à manger, ils vont aller chercher ceci. Dieu prévoit chaque chose pour chaque personne qui est sortie chaque jour. Alors nous qui sommes ces enfants, nous ne pouvons pas nous inquiéter. Il faut venir maintenant. Il a dit qu'il bouge à sas. Un jour j'étais au tribunal. Ainsi que moi j'en ai dit quoi mal à part pour la salle. Je suis bien condamné. Nani si qui a mouché mal quoi non. Il était dans la foule là-bas. Nani quoi a gâté ton mati. Et le juge l'appelle. Na mouché mal quoi non comment on est mouché. Et il crie là il était. Nani quoi la nani comment à part pour quoi. Laissez-moi la place parce que le juge m'appelle. Ah vous n'y achetez la force pour savoir que mouché mal quoi non. Laissez-moi la place. Je m'appelle je vais aller. Vous n'y achetez la force pour savoir que mouché mal quoi non. Et ce matin je te dis aussi. Yesu anajiweka mahali hapa na kuita. Kio sina utie nasema mbele. Na nami kama mahali ambapo uko sema mniachie nafasi ninataka
Je n'avais pas pu te connaître à l'école. Et maintenant, il est venu.
Les moyens que Dieu nous a donnés comme des réseaux sociaux, par exemple. C'était un outil important de l'évangile. Tu ne vas pas passer ton temps dans les réseaux sociaux inutilement. Hier, je portais un message qui effrayait les gens. Je portais un message qui effrayait les gens. J'ai dit aux gens que ce que Satan fait, il est fait de la puissance de Dieu. Satan serait tombé sur la terre. Ah, Shetan n'a pas quoi. Il n'aurait pas le pouvoir d'agir. Mais parce que nous avons péché, cela nous permettra à Dieu d'agir sur nous. Il est tout ma Shetan à faire la carte. Quel malheur que nous resterons attachés à Dieu. Aucun malheur ne peut nous atteindre parce que nous l'appartenons. Maintenant,
Oublie la vie que tu as. Na usahau maisha ambayo unayo. Reçois la vie de Christ. Pokea maisha ya Kristo. Que Christ vous bénisse. Na Kristo akubariki. Je tiens à te réjouir de ce que tu as fait pousser les coups de joie à l'envers de celui qui nous a sauvés.